toutes et à tous. Alors, je dirais, le titre de cette vidéo parle d'elle-même, je vous le donne. Macron, c'est du pain rassis et des jeux ratés. Je commenterai aussi son discours qu'il a fait sur France 2 par cette citation empruntée à Molière dans Don Juan. L'hypocrisie est un vice privilégié qui jouit en repos d'une impunité souveraine. Décidément, en politique, les politicards sont de plus en plus prévisibles. Exemple avec Macron qui, quelques jours après les résultats des élections, fait comme s'il n'y avait jamais eu d'élection. Lui, il est très fort, hein, il est vraiment insubmersible. Alors, il a balayé d'un simple revers de main tout ce vote, tous les votes, puisqu'on en a eu trois en peu de temps, hein. Il y a eu les européennes, le premier tour et le deuxième tour. Et il s'est arrogé tous les droits. Par contre, il y a un point sur lequel je vais être pour une fois d'accord avec Macron à 100%, c'est quand il dit que le nouveau Front populaire n'a pas de majorité. Et là, c'est vrai. Et également quand il dit de quel droit ce Front populaire réclame-t-il le poste de Premier ministre. Et en plus, ils choisissent une femme, j'espère que ça ne sera pas elle, qui est la grande copine de Thomas Porte, qui est donc dans la même mouvance, la même idéologie haineuse, raciste, antisémite, et qui se drape d'un genre « je ne fais pas de politique ». Mais vous pouvez vérifier que c'est 100% faux. C'est une femme qui est issue du Parti Socialiste où elle a milité pendant quelques années, donc elle fait de la politique. Dire qu'on ne fait pas de politique quand on appartient à un parti, quel qu'il soit, c'est un mensonge. Voilà, c'est tout, peu importe, hein, que vous soyez de n'importe quel parti. J'ai trouvé un slogan d'ailleurs pour la LFI, c'est « la France irresponsable ». LFI se conduit comme si elle avait tous les droits, et notamment celui de confisquer la démocratie. Les Français qui ont voté pour ce genre de parti, ce mouvement, et ses alliés d'ailleurs, les alliés de LFI, vont devoir en assumer toutes les conséquences, parce que les conséquences, il va y en avoir, hein, croyez-moi. Malheureusement, pour les autres, ça sera pareil, ceux qui n'ont pas voté, évidemment, pour LFI et compagnie. La caste politico-médiatique prend vraiment trop les Français pour des couillons. Et encore, je reste très soft sur ce mot, hein, parce qu'on pourrait en donner deux ou trois autres. J'aurais pu penser à con, etc. Mais bon, on va dire des couillons. Alors, avec cette caste, le miracle s'est encore produit le 7 juillet, puisqu'on s'est retrouvé avec des élections à qui perd gagne, et les perdants sont devenus les gagnants. Ça, c'est formidable, le tour de passe-passe. C'est cette bonne tôle avec les cartes, là, tac, 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 tac. Hop, t'as perdu, non, t'as gagné. Moi, je trouve ça formidable, personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. Bon, les médias, c'est normal, ils sont tous à gauche, mais on n'entend personne. C'est... Donc, je pense que la seule solution maintenant pour la France, il faudrait qu'elle se décide à faire une vraie union de la résistance à l'idéologie mortifère de la gauche, et dont le seul but de cette union serait de la combattre en proposant autre chose, notamment de privilégier l'individu par rapport au groupe, et que cesse cette idéologie foireuse, hein, le wokisme et compagnie, progressiste, tout ce que vous voulez, qui ont pourri l'Occident. Hein, ils ont pourri l'Occident. Et d'ailleurs, notez bien que certains partis dits de droite n'interviennent jamais en dehors des élections. Hein, c'est vrai pour le RN, c'est vrai pour beaucoup d'autres. Et on ne sait même pas, d'ailleurs, que ce parti existe entre les élections, tellement il est éteint. Hein, c'est comme s'il n'y avait plus de bureau, plus rien, plus de personnel, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si ce parti, le RN, veut gagner des élections, les prochaines, les plus importantes, ce sont les municipales en 2026, il doit absolument, dès aujourd'hui, il a deux mois, trois mois pour le faire, pas plus, présenter des candidats pour ces élections municipales. Le temps passe très vite et plus le RN va attendre, moins il pourra gagner. N'oubliez pas que c'est encore une élection à deux tours, les municipales, et que dans une élection à deux tours, le RN, il est quasi battu à tous les coups parce qu'il n'a pas de réserve. Or, le seul moyen de casser cette mécanique, c'est une mécanique vraiment
très huilée, une mécanique très forte avec le Front républicain, halte à ceci, halte à cela, etc. C'est de présenter les candidats très très en amont de l'élection, c'est-à-dire maintenant, hein, au plus tard à fin septembre. Pourquoi ? D'ailleurs parce qu'ils n'ont pas de notoriété. Je vais vous dire où je suis, la candidate qui se présentait pour le RN, personne ne la connaissait. Elle a quand même fait, je crois, 26 ou 28% de mémoire. Et personne ne la connaissait. Donc, si on l'avait connue, si elle avait arpenté les marchés, comme le fait le socialiste du coin et le LFI du coin, eh ben, je vous assure que ça aurait été positif. Mais là, rien. Et tant qu'on sera dans cette logique absurde, anti-politique pour moi, eh bien, on ne pourra pas battre la gauche. Voilà, c'est ça. Un enfant de maternelle, si je lui explique, il comprend, mais bizarrement, les adultes sont incapables, eux, d'accepter l'élémentaire vérité, je dirais. Donc, c'est bien beau d'avoir des conseils pour ceci ou pour cela, mais ce qui compte, c'est le conseil pour gagner. Donc, je le donne, là, c'est gratuit, il n'y a pas de... je touche pas de royalties, rien du tout. C'est donc de présenter des candidats le plus tôt possible, le plus vite possible, et de les implanter. Parce que là, on est à zéro. Là. C'est le niveau de la mer. Zéro. Et on ne gagne pas avec un niveau zéro. Donc, c'est créé maintenant. Maintenant, les conditions de la victoire. Ça se crée maintenant. Et croyez-moi, vous verrez que j'ai raison, malheureusement, en 2026. J'aurai encore raison en 2027. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous pouvez vérifier. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et je veux que cette vidéo marque ce point pour l'histoire avec un grand H. Parce que sinon, on retrouve toujours la logique de la gauche. Et là, j'ai fait une petite citation pour celle-ci, et je conclurai avec. Pour récolter le miel, on enfume les abeilles. Et bien, pour soumettre les électeurs, on fait pareil. Allez, merci. Je ne vais pas vous le redire, mais vous le savez qu'on est mal, on est même très mal. Et l'avenir, là, c'est un fantôme aux mains vides. Et croyez-moi, si vous pouvez donner cette vidéo à qui de droit et que les personnes écoutent et comprennent ce qu'il faut faire, on a une chance. Mais sinon, c'est rideau. Allez, à bientôt, on va terminer sur cette note très gaie.